Salut à tous, c'est Didier, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur ce tracteur qui est sorti aujourd'hui. Alors, c'est le Fendt 800 S4. Franchement, il est pas mal, il a un joli bruit moteur, j'aime bien. Et il roule assez vite aussi. Après, il n'a pas beaucoup de chevaux. Donc, on va voir ça ensemble. Alors, une fois que vous l'aurez téléchargé, il faut aller dans les tracteurs moyens. Voilà, et dans les Fendt, vous cherchez le Fendt 800 Vario S4, 226 à 287 chevaux. Voilà, vous avez une version 822 Vario à 40 km/h, 822 Vario à 50 km/h, 822 Vario à 60 km/h, voilà 824. Vous pouvez choisir entre 40, 50 et 60 km/h. On va le mettre au maxi. Voilà, au maxi c'est 828 Vario 60 km/h. Voilà à quoi il ressemble. Ensuite, vous avez bon, la marque des pneus, hein, comme d'habitude, Michelin, Mitas, Continental, BKT, Wallerstein, Trelleborg. Voilà, on va laisser cela comme j'ai mis sur la configuration. Ensuite, la configuration des roues. Voilà, vous avez standard, standard 2, en vario grip, en pneu large 2. Voilà. Là, il y a vraiment des gros pneus, quoi. Ensuite, vous avez des panneaux d'avertissement, si vous souhaitez les mettre ou non. Vous avez plusieurs, voilà, soit voilà, juste les panneaux ou avec des LED. Après, vous avez la fonction poste inversé. Vous pouvez, voilà, inverser la position du siège. Ensuite, ben, vous avez les gyrophares, voilà, gauche et droite, queue gauche. Ensuite, vous avez additionnel équipement, donc équipement additionnel en traduction française. Alors vous avez le pot d'échappement chromé. Vous avez le design line. Ou le pot, voilà, le design line ou le pot d'échappement chromé. C'est tout ce que vous avez. On va le laisser comme ça. Ensuite, vous pouvez enlever ou mettre, voilà, la limitation de vitesse qui est sur le tracteur, donc là 60, vous pouvez le mettre ou pas. Et là, le plus intéressant, voilà, vous pouvez aussi, là vous voyez, il n'a pas de masse d'équilibrage. Et là, vous pouvez en ajouter si vous le souhaitez. Voilà, vous pouvez aller de... Allez. De 300 kg à 1000 kg. Après, c'est comme ça, c'est vous qui les mettez, si vous voulez les mettre ou non, c'est vous qui voyez. Ensuite, vous avez l'arbre de prise de force, si vous voulez le mettre ou pas.
Après, bon, si vous avez une machine devant, il vaut mieux toujours l'avoir. Après, la petite nouveauté, voilà, c'est celui-ci, c'est que vous pouvez lui mettre un chargeur frontal. Et vous avez qu'un modèle de choix. Voilà, c'est Quick. Et je vais vous montrer aussi le modèle qui va avec. Et ensuite, voilà, vous avez plein de palettes de couleurs. Voilà, différents verts. Voilà, en fen classique. Voilà, un petit peu plus foncé. En rouge. En gris. En bleu pétrole. En blanc. En beige. Voilà, vous avez plein de petites couleurs. On va le mettre en blanc pour l'instant et on verra bien. Ensuite, voilà, vous pouvez choisir la couleur des masses d'équilibrage. Voilà, vous avez soit rouge, noir, gris. Voilà, vous avez plein de. Voilà, vous avez plein de couleurs. Vous pouvez choisir la couleur que vous voulez. On va les mettre en noir. Voilà. Et puis ben, vous avez la couleur des jantes. C'est pareil que la couleur des masses. Vous avez toutes les couleurs. Voilà. On va mettre en gris par exemple. Voilà, parce qu'il est blanc. Et après, ben voilà, vous pouvez aussi personnaliser la plaque. Après ça, tout le monde le sait le faire, donc je vais pas m'attarder dessus. Avec toutes les options, il vous coûtera 326 000. On va arrondir à 327 000. En gros. Et pour le chargeur, voilà. Il vous suffit simplement voilà, de reprendre votre tracteur ou de le faire. Voilà, c'est celui-ci. Vous faites R3 combinaison. Voilà, c'est la seule qui ira. Quoi, les autres peuvent aller dessus. Hein. Là, je vous prends celle-là. Voilà, c'est juste pour qu'elle soit sortie au tracteur. Et puis après, bon ben voilà, si vous voulez d'autres fourches, normalement ça va dessus. Bon ben tout ce qui est quick, ça va dessus. On va prendre une Auer. Et on va prendre une John Deere. Kubota. Classe. Voilà. Je vais déjà. Alors vous entendez déjà le bruit qu'il fait au démarrage. Il est excellent. Il a un très joli bruit moteur. Et il est très 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 maniable, même à grande vitesse. Et comme vous avez pu le voir sur le compteur, il roule à 66 km/h. Ah bon, après, il n'a pas énormément de chevaux, mais. Et après, ce que j'aime bien aussi, voilà, c'est qu'il lève assez haut par rapport à certains tracteurs.
Voilà, il est assez haut, donc vous voyez là c'est la. Ça c'est celle qui va avec normalement. Et vous reculez à 33 km heure en marche arrière. Voilà, là il vous marque outils non compatibles. Il n'y a que Quick qui ira dessus normalement. Celui-là, c'est quasiment la même chose. Voilà, vous voyez, celui-là, même, il rentre pas du tout. Outils non compatibles. Et après, ce qui est bien aussi, voilà, attendez, je vais avancer un petit peu, sinon vous n'allez rien voir avec les arbres. Alors, vous pouvez, bon, bah, les gyros, c'est pas des LED, c'est des gyros traditionnels. Et si vous faites L1 et R1, voilà, alors si vous faites le joystick de gauche, vous pouvez ouvrir le toit ouvrant. Et vous avez l'animation et le son avec. Voilà. Et quand vous fermez la vitre arrière aussi, vous avez vraiment le claquement quand. Après, en vue intérieure, il est vraiment pas mal. Ça change un petit peu des autres. Si vous voulez changer de direction, bah, vous faites L1, R1 et la croix. Voilà, par exemple, si vous utilisez le broyeur, etc. Vous êtes quitte de l'accrocher à l'avant. Ou si vous faites de l'ensilage ou des trucs comme ça. Voilà, il est quand même assez rapide. Et après, moi, surtout ce que je cherche dans un tracteur, voilà, c'est, on va dire, la visibilité. Et, par exemple, quand vous êtes dedans, voilà. Donc la caméra elle bouge un peu, c'est normal. Mais il y a des fois, vous êtes vraiment secoué comme un prunier dedans. Et là, même à l'intérieur, vous avez le son, c'est impressionnant. Et voilà, vous voyez là, on va dire c'est le siège qui bouge, mais vous n'êtes pas secoué comme un prunier dedans. Après, vous avez vraiment une bonne visibilité. C'est impressionnant aussi, ils ont fait du beau travail dessus. Moi, je vous le cache pas, je suis pas fan, mais là, franchement, ils m'ont scotché quand même. Surtout le bruit moteur et le petit sifflement, c'est vraiment magnifique et splendide. Alors, bravo aux modeurs qui ont créé ce mode. Je les félicite par avance. Et voilà, après, bon, bah, je ne vais pas vous faire toutes les couleurs. Vous avez vu les couleurs qui sont personnalisables. Vous avez pas mal de couleurs.
Et ben voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et puis ben moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, ciao!